Yo, salut tout le monde, c'est Tofuti67. Excusez-moi pour le parterre, c'est un peu crado, salaud, sale, pardon, excusez-moi. Bon, ça, on s'en fout. À qui ça n'arrive pas? Bon, je vais vous montrer quelque chose. On le mettra dans la playlist, déjà vu ou pas. Alors, ceci. Oui, c'est une console. Oui, c'est une Dreamcast, mais. Particularité de celle-là, c'est que c'est une Dreamcast américaine au signe rouge. La française, elle a le signe bleu. Et celle-là, c'est la première que j'ai reçue. Première des consoles en fait. Enfin, pas première des consoles, mais disons, elle est de 1999. Septembre 1999, pardon. Et en fait, vous pouvez lire de la musique dessus, ça comme vous savez, les CD de musique. Et celle-là, elle est débloquée avec tout. Tous les CD de jeux de n'importe quelle nationalité, vous pouvez mettre dessus. Oui. Après, sur la française, j'en sais rien. J'ai jamais vu la française. Et celle-là, on était les premiers à l'avoir à l'époque. C'était un de nos voisins proches qui nous l'avait amené directement d'Amérique. Il nous l'avait offert. Et ça, je peux vous dire, ça rappelle des souvenirs. Et ouais, Sega, je sais même pas si ça existe toujours, s'ils font toujours des jeux. Sega, je sais pas, je pourrais pas vous dire. Mais ça rappelle des souvenirs. Ça, c'est un modèle vintage, hein. On peut vous pourra dire ce qu'on veut. Ça a peut-être de la valeur encore. C'est possible si c'est recherché. Un peu comme la Super Nintendo, comme la Nintendo, comme la Sega, comme la. Je sais pas. C'est peut-être. Hein. C'est possible. Bon, elle est un peu crado. Je suis désolé, elle est un peu crade. Ses joueurs intérieurs est un peu crade. Mais toujours. Elle est toujours en état de marche. Elle fonctionne très bien. Les câbles sont tout dedans. Tout est dedans. Il y a deux manettes. Les memory cards, elles sont intactes. Tout marche. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous vendre ma console, mais pour vous montrer que si ça. À certaines ou à certains, si ça vous dit quelque chose, si vous avez pu connaître ce modèle-là, ouais, moi j'ai pu le connaître. Il y avait ce qui était bien comme jeu, c'était Sonic Adventure, pardon, le 2, Crazy Taxi, le 1, le 2, enfin voilà, c'était ça. Ok, je vous laisse, à plus, portez-vous bien, salut.